décalé à Briançon. Et Philippe Allais pourrait peut-être être du voyage. Il a repris son contact pour l'instant. Chaud, le slalom. Oh, magnifique! La passe pour Orloff. Ah ouais. Et l'ouverture du score. Chaud a fait tout le travail. Et le numéro de Brady Chaud là. Et la magnifique passe. Le caviar pour Maxime Orloff. Ouais, c'est le deuxième petit slalom qu'il nous fait dans le slot ouais. Comme ça, il l'avait aussi fait pour marquer un but, son premier but je crois pour les Ducs. Et là il décale Orloff qui a la cage grande ouverte. Ouais, je crois que c'est le deuxième but de Maxime Orloff. Ouais, c'est ça. Cette saison. Et ça approche. Les Ducs qui recevront sûrement pour les deux premiers matchs, c'est 8 et 9 mars. Oh le rebond. Et c'est Balsamo qui saute sur ce rebond après un lancer de Reed et les Ducs qui font le break dans cette fin de premier tiers-temps. Ouais, Scherbak qui bouge beaucoup. Pavé 6 à la pointe, Vallier en bumper. Ah, c'était un peu téléphoné ça. Et les Gauthier qui n'arrivent pas à se dégager. Reed, oh ça passe. Je sais pas par où, mais ça passe et ça fait 3-0 pour les Ducs. C'est entre les jambes, j'ai l'impression. Raglas, sans doute. Ouais. Son 21e de la saison à Brody Reed. Ah, pas évident parce qu'il était très très bas ouais. Au niveau du cercle, c'était pas simple de jouer. Il arrive à redresser. Ouais. Tiens, Fleuret derrière son but. Ah, il était pas sorti encore, je pense. Hein. Hop, là. Voilà, Moutré là, qui a failli subtiliser ce palais. Ouais, communication. Ouais. Ouais. Oh et, ouais. Et la réduction du score. Ouais, mais manque de communication là entre Manning et Reed, je pense. Personne n'est allé sur le palais finalement. Lucarne qui a été nettoyé là. Ah ouais là c'est parti net. Par Vandenberg. Et on va voir là, ouais voilà, hein, manque de communication. Ouais, c'est Manning et puis ouais. Mais... Allez, bon pressing de Couturier. Torquato, on en met une en sortant, c'est toujours, ça fait plaisir. Oh, belle passe. Oh, ouais. Ah oui. Et mais, superbe but de Maya là. Et les Gothiques qui reviennent. Eh, oui, à oui, 3-2. Oui. Plus qu'un but d'écart. Ouais. Alors qu'il reste 6 minutes 27 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Attention à la contre-attaque amiénoise. Ah ouais, oh, Jemel. Eh oui. Oh, ouais, le 3 partout. Et Ross qui avait plus Ross de cross. Avait plus de cross. Et donc, il n'a pas pu aller au banc. Et là, on revient à un match. Ouais, tout est à refaire là pour les Ducs. 3 partout. Et là il s'est fait pleurer, là il s'est fait déculoter ouais. Complètement. Ouais, ça y est là, les Amiénois enfin installés, le one-timer de Bouchard repoussé par Fleuret. Aïe. Oh le but casquette, oh, le pauvre, le pauvre Gilbert là. Ouais, pauvre Gilbert, pauvre Bouchard. Parce que je crois que c'est lui hein, qui dévisse palais dans la. Ah oh, ouais, oh, ouais c'est Danny Bouchard oh, là. Ouais. Gilbert le. Aïe aïe. Oh c'était bien parti. Ouais. Pas cadré du tout. Vallier. Il est solide. Ah oui.
Gabory avec Scherbak. Et le cinquième but, Nikita Scherbak, sur ce petit service de son capitaine. Et ça va redonner de l'air au Duc. Dixième but de la saison,